Salut à tous, bienvenue sur One Shot. On est à l'édition 2023 du Vape Expo à Lyon, sur le stand d'Alchimia avec Raïm. Salut Raïm. Salut, salut. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Je ne doute pas, tu es un super client pour nous. Il y a toujours des nouveautés. Tu foisonnes d'idées et de nouveautés à chaque fois, donc je ne suis pas inquiet. Là, tu vas nous parler de deux choses. La première chose, c'est des nouveaux jus qui arrivent. Et après, c'est une petite surprise. Alors, dis-nous. Alors, toutes les nouveautés. Du coup, d'abord du 50 ml, une nouvelle addition à ma gamme des élixirs. La dernière pierre qui manquait à l'édifice, les spirits toniques, dont le fil conducteur seront les tabacs. On est sur un mélange de classique avec un blend de Sumatra en base, très boisé, très fumé, petites feuilles de cigare, adouci, liqueur de beurre, vanille, café, noisettes, fruits à coque torréfiés, miel pour sucrer et un blend de pommes séchées façon pomme d'amour. Ça, c'est une référence, les amis. Tu n'as pas simplifié tes gammes, c'est pas au programme. Exactement, c'est ça. Non, toujours pas. Plus ça va, plus on rajoute d'arômes. Donc, le premier de mes spirits toniques lâchés aujourd'hui. Ensuite, petite addition à ma gamme Cartomancia sortie dernièrement, l'Impératrice, qui depuis hier est officiellement la meilleure vente de la marque, vu qu'on a vendu plus que le Ferra ou le Love Filter, notre liquide phare, depuis le début de l'année. Attends, et c'est sorti quand? C'est sorti il y a un mois. Wow, ok, d'accord. C'est un lancement complètement fou pour nous, génial. C'est quoi les arômes, s'il te plaît? Alors, on est sur un éclair. Quand je dis éclair, on parle de base pâte à choux, un peu d'amande, bien crémeuse, bien gourmande. Un éclair à la violette, avec une crème de citron pour un peu d'acidité et bien d'autres choses, mais j'invite à lire le descriptif. Ça, ce sont les trois notes principales. Et il paraît que c'est vraiment bon. Il paraît que c'est pas mal. Même la violette, ça divise un peu hein, en général. Soit on aime, soit on déteste. Bah pour le coup, là, on est sur un 99,9% de « c'est vraiment pas mal ». Moi, j'aime beaucoup. J'espère que vous aimerez autant que moi. Il faut goûter de toute façon les jus Alchimia, il faut les goûter. Voilà. Et tu m'as parlé, alors hyper rapidement, des 10 ml. Ça, c'est ultra nouveau. 10 ml, oui, ça, c'est une grosse nouveauté pour nous dont on est très fiers. On lance 6 références en TPD. 3, 6, 12 et 18 mg pour faire office de booster. Les 3 premiers Love Filter, l'original, le frais, le gourmand, le moon, parce que barbapapa, fruit du dragon, c'est cool. Entre autres, le Power Potion, le premier qui nous avait rapporté le prix et la première visibilité, Mangue Tamarin Rhum, et le Ferra, parce que tout le monde aime le Ferra, poire, caramel, chocolat. C'est mon préféré le Ferra, moi j'en suis fou. Là, c'est un lancement pour voir comment ça prend sur les 10 ml, ou tu as déjà prévu de décliner toutes tes autres références? J'ai prévu que le reste suive, mais doucement mais sûrement, Rhum ne s'est pas bâti en un jour. Ok, alors il y a une énorme nouveauté aussi, assez en édition assez limitée, une collab sur une box du hardware, les amis, avec Aspire. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est à la base un modèle que j'affectionnais beaucoup parce que fan d'IO et parce que je trouve que c'est très dans l'air du temps, compact, pratique, efficace. C'est quoi comme box? Attends, c'est une box? C'est quoi? Tout à fait. C'est une box, c'est l'Aspire Nautilus Prime X qui est du coup en plus ultra compatible avec énormément de résistances vu qu'elle prend les résistances Nautilus et les résistances BP allant de 0,15 à 1 et des brouettes. Et on a du coup travaillé avec Aspire sur le packaging, sur le design de la box. On a donc deux coloris, la grise et la dorée, avec un effet un peu vieilli. Le cuir est travaillé, marqué Alchimia ici et avec les logos. La boîte dont je suis si content, avec son relief, son brillant, sa dorure. C'est un véritable accomplissement pour moi, je suis très content. Notre box a 2500 pièces uniquement en édition limitée, sur laquelle on ouvre les précommandes maintenant et disponible chez tous les partenaires d'ici une quinzaine de jours, j'espère. D'accord, donc là on est début mi-avril, et donc fin avril ce sera, voilà. Au moins je pense à tout péter, oui. Ouais, début mai. Okay. Oui. Super, écoute, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as des trucs dans les tuyaux? Des trucs dans les tuyaux, toujours, parce que du coup maintenant j'ai un peu posé les bases, la structure de toutes mes gammes, et que maintenant on commence à comprendre que dans chaque gamme il y a une gamme qui fait 3 liquides avec un dénominateur commun. Donc le premier spirit tonic est lâché, la base tabac, il y en a 2 autres à venir, mana agua, la base menthe, 2 autres à venir, et puis j'aurai complété mes élixirs, il me reste donc 3 autres gammes à compléter tranquillement. C'est vrai qu'en termes de nouveautés, j'ai lâché un nouveau petit thé dans la gamme Artemisia.
qui cette fois, l'Artemisia numéro 3 est sur la base de mon Aja, qui était un litchi rose framboise. On est sur un rooibos que je fais venir d'Afrique du Sud, un mélange de rooibos et honeybush que je fais venir d'Australie, des vrais bouts de framboise séchée à l'intérieur, des vrais pétales de rose, du litchi séché pour une gourmandise incroyable. J'y ai plongé mon nez tout à l'heure dans cette boîte et le parfum, juste déjà, il est unique. Oui. C'est trop, trop bien. Et l'équipe grossit parce que bah, je suis passé de moi dans mon chalet façon marché de Noël à 3 personnes. Et je trouve que c'est un véritable accomplissement. Je remercie encore One Shot Media à chaque fois pour la visibilité et la force qu'ils m'ont toujours donnée. Bah, on aime ton travail, on aime ce que tu fais, on aime ta dynamique et ton énergie et ton état d'esprit. Aussi. Ça tombe bien, je vous aime aussi. C'est un amour réciproque, messieurs, dames. Bon. Du coup, bah, c'est vrai qu'on essaye d'accomplir des choses et l'accueil est là et ça marche. On espère continuer. Ok, et ben merci beaucoup Chaïm. Longue vie à Alchimia. Venez nous voir au salon du Vape Expo 2023 à Lyon. C'est jusqu'à demain lundi. Et voilà. Merci. Ciao, ciao.